a passé beaucoup de temps dans leur camp, mais on a passé la qualité de notre jeu offensif, la qualité est assez bonne ce soir. Mais voilà, on s'appuie sur notre défense pour l'instant, dans ce début de championnat, ce qui est très important pour la Pro League. Qu'est-ce qui se passe pour ne pas mettre assez de volume comme on aurait espéré? C'est un premier match à domicile, voilà, c'est hyper important de le gagner. Et le fait de ne pas concrétiser nos actions en première période, d'être toujours à 3-0 ou 3-3, voilà, ça nous perturbe un petit peu. Et, on n'arrive pas à mettre notre jambe. Non, vous êtes invaincu tout à l'heure pour les plaisirs. Oui, c'est vrai que c'est un beau début de championnat par rapport à l'année dernière. Où on a attaqué nos deux premiers matchs à domicile avec deux défaites. Voilà, maintenant, on voulait vraiment s'appuyer sur ce bloc de deux matchs pour basculer sur tous les matchs vont être difficiles. On vous a senti tendu quand même, hein, que vous avez du mal à vous libérer dans le jeu, on avait l'impression. C'était la pression de ce premier match à domicile peut-être qui vous a fait que vous n'êtes pas libéré en fin de compte dans le jeu. Oui, c'est vrai, il y a de ça aussi, comme je le disais précédemment, mais après on est tombé sur une équipe montoise très accrocheuse qui dans chaque rack nous a embêté comme pas possible. Et voilà, on n'a pas su mettre de la vitesse au jeu. Et, voilà, chacun a fait sa petite erreur au début du match et puis voilà, on n'a pas su dynamiser ce jeu. L'objectif à Béziers, c'est la victoire maintenant, 3 sur 3, avant la réception de Bourgoin. Oui, forcément, on ne va pas y aller pour perdre, mais c'est vrai qu'une victoire encore à l'extérieur serait bien pour ce début de championnat. Alexis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui Ouais, c'est sûr qu'on avait vachement besoin de confiance, parce que après une saison comme ça, voilà, on a vraiment débuté ce championnat par deux victoires. Maintenant, chose faite, on avait axé notre travail sur la défense durant la préparation et durant le match avec nous notamment. Voilà, maintenant qu'on a pas pris d'essai sur ces deux premiers matchs, il faut qu'on bascule autre chose offensivement parce que qu'on dynamise un peu plus notre jeu pour inquiéter encore plus les défenses adverses. Mais ta relation avec Francis, c'est d'ailleurs du boulot. Oui, il y a du boulot, c'est sûr, c'est dur. Surtout quand on ne parle pas la même langue, que moi je ne parle pas très bien anglais et que lui ne parle pas très bien français. C'est sûr que même si c'est très important, cette relation, parce qu'on se parle beaucoup, mais voilà, non, mais je ne désespère pas. Il s'investit vachement, il apprend plus de français quand même, et je pense que ça va le faire au fur et à mesure. Tu penses que ce qui va manquer, c'est d'être dans le système, d'être plus impliqué dans le système, comme lui, sans premier match, pour lui, voilà, il a joué à l'Olympique, il fallait plutôt jouer. C'est plutôt ça ou... Non, je voulais vraiment. C'était une volonté de faciliter la volonté de. Je voulais vraiment occuper leur camp, ça c'était vraiment l'objectif principal, occuper leur camp et avoir une grosse défense. Je pense qu'aujourd'hui c'est à peu près la seule chose qui a été acquise. Mais voilà, comme je le disais précédemment, on a beaucoup travaillé la défense durant notre préparation. Maintenant, à nous d'enchaîner sur l'offensif et de retrouver, enfin, de trouver un peu notre jeu, de dynamiser plus que d'autres. Parce que comme on est dans la conquête et les marques si peu, c'est un paradoxe, tu vois. Tu vois, qui doit t'interpeller, non ? Oui, c'est vrai que sur les ballons portés, on était très bien ce soir. Nous a rendu beaucoup ses gros pieds, mais c'est notre petit problème en ce moment par rapport au match d'Albi. On n'arrive pas à concrétiser nos actions. Donc voilà, on sait sur quoi travailler. Maintenant, c'est bien, on a une bonne base de travail, mais on a mis quoi en commun.